Yo, putain, Ménard, Collard, Bardot, le Bordelais, Jean Roucas, Alain Delon. En fait, c'est devenu le VIP room, le Front National. Non, bordel, pas Alain Delon. Moi, je l'aimais bien, il m'a fait rêver quand j'étais petit. L'homme de Rio, peur sur la ville, le professionnel, tac tac badaboum, un sage en hiver. Mais là, tu confonds. Là, c'est Jean-Paul Belmondo. Ah, c'est pas Delon, ça? Mais je m'en bats les couilles alors! Non, franchement, je m'en tape! Non, pour Delon, c'est chiant, sincèrement, ça fait chier qu'il trouve que la montée du FN soit une bonne chose pour la France. C'est décevant, franchement, ça me déçoit. Par contre, je tiens à préciser que pour Jean Roucas, et je parle au nom du peuple français, on s'en bat les couilles! Vraiment, on s'en tape! Bref, faut pas non plus diaboliser le FN, hein, mais j'ai l'impression que c'est devenu tendance de kiffer le Front National. C'est hype! C'est dans le vent, quoi! Waouh! Salut, man! J'ai raidé toute l'afternoon, je suis Nas Brock. Ça va, mec? Oh, j'hallucine! T'as une carte du PS dans la poche, là? Boring! Wow, c'est so 2012, la carte du PS! Maintenant, ce qui est cool, c'est le FN, man! Bon, je te laisse, j'ai pas de temps à perdre, je vais au meeting de Marine Le Pen, elle est en première partie de Kanye West. Je peux dire qu'il y a du guest, hein. Il y a John Lucas, Kavinsky, il y a plein d'autres mecs de l'électro, tu connais pas, t'sais. Le FN est devenu un parti normal et respectable. D'ailleurs, démocratiquement parlant, je trouve ça normal. C'est juste que malgré la bonhomie et la sympathie apparente de Marine Le Pen, pour moi, le Front National, à vie, ça reste ça. Permettre à mes enfants, quel était le 15e, de voir des vaches. Du côté de... au lieu de voir des Arabes. Oh putain, tu vas tuer les blancs manteaux. Alors attention, hein, on n'a plus le droit de dire que c'est un parti d'extrême droite. Sinon, Marine, elle est pas contente. Mais monsieur, il a dit que mon parti, il était d'extrême droite. Non, c'est pas un parti d'extrême droite, c'est juste un parti qui est à droite de la droite. À l'extrême de la droite. À l'extrême droite, en fait. Extrêmement réticent face aux Noirs, aux Arabes, à l'Islam et à l'immigration. Et les Roms. Mais bon, ça, tout le monde s'en bat les couilles. Ah bah si, si, tout le monde déteste les Roms. Bah si, même moi, je déteste les Roms. Quoi? Mais je m'en bats les couilles, ils ont pas internet. Ah non, ils sont pas 4G ready, les Roms. Mais est-ce que tu t'entends parler? Ces pauvres gens vivent dans des conditions déplorables. Ils sont issus d'un peuple nomade qui a beaucoup souffert. Ils sont issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Ces pauvres gens mangent leur caca, Mohamed. Ils mangent leur caca. Alors j'entends déjà les gens me dire, mais tu n'as qu'à les accueillir chez toi. Mais je vais les mettre où, moi? Je vis dans des conditions précaires, sur les Champs-Elysées, dans un superbe 100 mètres carrés, loft, 2 étages, génial, avec mon cochon d'Inde, on se marche presque dessus. C'est impossible. Mais non, je rigole, je les déteste pas, bien évidemment. C'est un peu les nous d'avant, les Roms, en fait, hein. Ils vivent comme les Arabes dans les années 60, dans des bidonvilles. Il faut leur laisser leur chance, qu'ils s'intègrent, comme nous avant. Et si tout se passe bien, dans 30 ans, Inch'Allah, ils vivront dans des cités, ils seront au chômage, et on fera des débats à la télé sur le port de la dent en or. Bravo! C'est ça, la France! Par contre, au risque de paraître un peu nationaliste, hein, j'aimerais dire que j'aime beaucoup la France. J'aime son histoire, j'aime sa diversité, même si son histoire n'est pas parfaite. Mais qui est parfait? Hein? Qui? Toi? Jason Statham? Moi, messieurs, dames, du FN, ne vous déplaise, je suis français. J'ai le cœur français. Je suis tellement français que pas plus tard que tout à l'heure, j'ai chié un coq. Et d'ailleurs, quand je pète, ça fait cocorico. Tiens, y'en a un qui arrive, tire mon doigt. Qu'est-ce que tu vas faire? Vive l'amour! Et je finirai d'ailleurs en disant que l'amour est la meilleure arme contre la haine. D'ailleurs, tiens, Marine Le Pen, si tu m'écoutes, j'ai un tonton au bled, un politique, il s'en bat les couilles, lui, carrément. Ah, lui, tout ce qu'il veut, c'est juste les papiers. Hein. Tu lui ramènes un steak tartare en robe blanche, il se marie avec. Hein. Il est très intéressé par ta personne. Je te montre sa photo, tu me dis si ça t'intéresse ou pas. Alors, beau gosse ou pas, le chéoui? Quant à moi, je ne reste pas insensible au charme de Marion Maréchal Le Pen. Hein. Si tu m'écoutes, Marion, je peux te faire un bébé métis. On l'appellera Jean-Marie Salah, en hommage à nos deux grands-pères. Bisous, je t'aime, je vous aime tous et vive la France! You can't break me, never make me bust a song for beats. It's our long style, got a brother off the streets. Mr. Lawrence Tucker, sue me, I won't stop. Elise the Wall! Elise the Wall! Jason Statham? Pourquoi? Je fais. C'est Mebel, ça. Tu peux parler français s'il te plaît quand tu fais une réplique? Il y a plein d'autres mecs de l'électro, tu connais pas, t'sais. Ah, mais ça, merde, c'est celle-là. Bon, je te laisse, balasse, tu crains grave.